Yo les guys, c'est Sergi, bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure avec notre joueur. C'est le 13e épisode. Donc voilà, je vais directement commencer. Je vais vous montrer d'abord les matchs qu'on a joués par le passé. Regardez, on a joué, on s'était laissé sur Dortmund là, et puis on a gagné. On a gagné, on a encore gagné, on ne fait que gagner. Hein. Et puis on a perdu en Europa League contre Fatih Karah. Je crois que c'est une équipe de Turquie. On a perdu 1-0. J'ai pas joué ce match, j'ai joué la deuxième mi-temps, mais on avait déjà perdu 1-0 et puis on a gagné. Et là, on va jouer contre le Bayer Leverkusen. Donc, je vais jouer en tant qu'avant-centre cette fois-ci, pas milieu offensif. Je voudrais tester comment ça se passe là, en tant que milieu, en tant qu'avant-centre. Et je suis même pas sélectionné. Ah non, je suis sélectionné, j'ai peur. Pourtant, je l'ai dit que j'étais sélectionné. Alors. Donc voilà, on va directement cliquer sur coup d'envoi là. Allez, c'est parti les guys. Bundesliga. Bayer Leverkusen contre Bayern de Munich. Parce qu'on doit gagner ce match. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait. On peut gagner ce match. On sait combien ce match compte pour eux. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Allez, je sais pas pourquoi mon avatar bug chaque fois que je mets le jeu. Parfois ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être mon PC qui n'est pas assez puissant. Là, je joue directement sur OBS. J'ai vu que c'est seulement sur OBS que ça marche. Et quand je suis pas sur OBS, eh ben, ça fait quelques bugs là. Alors voici, je connais aucun joueur du côté de Bayer Leverkusen. Je joue sans écouteurs les guys, je joue vraiment sans écouteurs. Je vais manquer quelques commentaires du jeu. Allez, c'est parti. Bayer Leverkusen contre Bayern de Munich. Je joue en tant qu'avant-centre. Alors là, je crois que malheureusement, je vais devoir jouer. Je sais pas si mon avatar va bugger. En tout cas, je vais chercher pourquoi ça bug. Parfois, ça marche pas super bien. Allez, je récupère la balle. Là, il peut passer. J'ai voulu directement passer, mais les réactions des joueurs ici sont tellement rapides. Je n'ai jamais compris. Peut-être c'est la difficulté. Ils réagissent très très vite. Je vais commencer à protéger la balle. Comme ça, je gagnerai des fautes parce que les défenseurs sont tellement rapides ici. C'est juste irréaliste parfois. Qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Et là, c'est le but. Et voilà le premier but. Ça doit être le. Je crois que c'est le troisième but de la saison. Je me souviens pas bien. Et combien de buts j'ai marqué cette saison? Parce que je crois que j'ai marqué un but, mais c'était hors caméra là. En tout cas, les passes décisives, ça, je suis en train d'en donner beaucoup. Mais les buts, je n'en marque pas. Maintenant, je joue avant-centre. Je préfère jouer avant-centre parce que. À part si pour les grands matchs, peut-être j'aurais milieu offensif. Et voilà, c'était. C'est le but, c'est le but, c'est le but. Espérant que nous allons gagner ce match. Ça sera contre Bayer Leverkusen. C'est une grande équipe aussi. Attention, donc. Il faut tout donner. Et là, je suis seul. Je rate complètement. J'ai été surpris. J'étais vraiment surpris. Je me suis retrouvé seul. Je suis bien démarqué de mon défenseur direct. Toujours 1-0 ici. On domine le match, mais on n'y arrive pas. Je trouve que je faisais mieux le milieu que l'attaquant. Parce que je trouvais des espaces. J'essayais de passer dans les espaces. Ce que les autres n'arrivent pas à faire. Et je vois que c'était moi le meneur en fait. Maintenant qu'ils n'ont plus de meneur, là ça devient difficile pour eux. Mais j'ai voulu juste jouer attaquant un peu aujourd'hui là. Pour un peu augmenter ma note. Et je perds aussi beaucoup de ballons. Normal parce que je suis attaquant et je suis marqué de près. Et un raté de Bayer Leverkusen là. Un très gros raté. Je crois que les cartes sont cuites. Le match doit se terminer sur un but à zéro là. Je ne vais pas vous mentir. La position d'avant-centre est très très ennuyeuse pour moi en tout cas.
Je sais pas comment. Allez, là, là, il peut passer. Non, il ne veut pas passer. Et oui, 1-0, 1-0. Le seul but, mon but unique qui nous fait gagner le match face à Leverkusen. Donc, on va passer tout ça. Donc, voilà, ils avaient plus de possession, bizarrement. Donc, je ne crois pas. On a dominé le match. Et oui, je suis l'homme du match. Oui, parce que j'ai marqué le seul but du match. Donc, voilà, on va cliquer sur suivant. Tout ça, on va passer. Et donc, vous voyez, tout va bien pour le moment. Je m'entraîne toujours. J'essaie de m'entraîner pour faire des passes plus précises. Là, on va jouer l'Europa League directement là. Alors là, je vais faire poste préféré. Je crois que je vais retourner poste non souhaité. Je crois que je vais retourner milieu offensif parce que... Et oui, passe lobé, j'ai précisé, donc ça va. Ah, par contre, je ne sais pas quelles sont mes capacités. On va voir ça, les capacités que j'ai. Passe en profondeur, passe lobé, basse. Ok, on va essayer de s'entraîner à quelque chose d'autre. On va voir. Est-ce qu'on peut entraîner encore? Je fais passe lobé, passe aveugle. Et je vais m'entraîner sur talonnade. C'est vraiment important, mais je vais m'entraîner. Endurance, je crois que je vais baisser cette fois-ci. Je vais augmenter une autre qualité que j'ai. Donc, je vais m'entraîner plus sur le tir aussi. Allez, on joue le match face à, je sais même pas, la même équipe là. Cette fois-ci, c'est moi, l'avant-centre. On va essayer de gagner ce match. Salut à tous et bienvenue pour cette quatrième. Et voilà, on commence directement le match là. Avant-centre. Je vais essayer de faire mon mieux là, mais je crois qu'au prochain match, je vais retourner à ma position habituelle. Milieu offensif, je trouve que je joue super mieux milieu offensif parce que là, en tant qu'avant-centre, j'ai fait du n'importe quoi. C'est pas vraiment ma pause, même si j'ai marqué un but, mais franchement, je me suis ennuyé tous les matchs. J'espère que bien ma note doit augmenter, je sais pas, pour pouvoir me débarrasser de mes défenseurs plus rapidement. Attention là. Et voilà, je gagne un très bon coup franc là. J'étais très entouré là et là, je pouvais rien faire que dribbler un peu. Mais j'étais pris de partout. Et là, ça sera un très bon coup franc si je peux le mettre. Possible que je le mette. On demande au joueur de partir là. Il y a un joueur juste derrière là. Et le but, quel coup franc magique. J'ai eu peur qu'il y avait un joueur derrière le mur. J'ai eu peur que... Il bloque ce coup franc. C'est un coup franc magique, les guys. J'espère que vous avez vu. Ce sera parmi les meilleurs buts de la saison. En tout cas, un coup franc très loin. Et après, je vais m'entraîner pour faire des tirs plongeants pour que la balle plonge plus rapidement. Et quand la balle plonge plus rapidement, c'est plus difficile au gardien de venir à la rescousse, de faire un sauvetage, quoi. Là, c'est là où on joue super bien, là. Là, ouh, j'ai failli marquer un doublé, là. J'étais un peu surpris, j'aurais dû mettre un peu plus de force. Mais, comme je vous dis, les défenseurs sont très réactifs. Si j'avais traîné juste une seconde, là, j'aurais pas eu le temps. Et là, c'est peut-être le... Non, c'était pas le but, mais c'est cadré. Donc je joue pas mal avant-centre. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je reste sur avant-centre. Mais j'aime bien toucher trop le ballon. J'aime bien participer au jeu. C'est ce qui me ressemble le plus. Mais bon, si avant-centre, je commence à marquer des buts comme ça là. Attention là, ça peut. Non. Si avant-centre, je commence à marquer des buts, ben c'est mieux pour ma carrière parce que les buteurs sont... On est plus respectés dans ce milieu. Attention, on va prendre un but. Et non, le poteau pour notre adversaire. Je peux même pas prononcer le nom de la équipe. Tellement difficile. Et le doublé, les guys. Le doublé. Oui, avant-centre, c'est pas si mal que ça. Peut-être qu'il faudrait que je joue avant-centre. Et le doublé, les guys. On est en train d'écrire l'histoire à Bayern. On risque d'être le joueur phare de cette équipe.
Et oui, mais Muller aussi joue super bien en tant qu'avant-centre, j'ai remarqué aussi. Il est très très fort, je lui avais donné deux passes décisives. Là, j'ai bien protégé la balle et je n'avais qu'à frapper et la mettre à l'intérieur. Là, j'avais tout le temps de mettre une force, de lever le niveau du ballon. Donc, parce qu'à ras de terre, je crois que le gardien l'aurait pris. Voilà la passe. Est-ce que là, je vais centrer? Et le match est terminé les guys, 2 à 0, doublé, mon premier doublé sous les couleurs bavaroises. Allez, 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 allez. Donc tout va pour le mieux. J'ai une note de 7-5. Il faudrait peut-être que je manque des triplés cette fois-ci. Mes prochains matchs, je jouerai milieu offensif. J'ai joué attaquant surtout parce que cette équipe nous avait battu en premier lieu. Donc on va jouer contre Francfort. Je vais voir quelle équipe on va jouer contre. Ça sera Hoffenheim et puis. Puis Wolfsburg. Donc on y va avec Francfort. Donc tout va pour le mieux. On joue très bien les matchs. On enchaîne les victoires. Ça fait déjà 3 buts que j'ai marqués. Avec un coup franc super qu'on va pas oublier en tout cas. Et voilà, nous voici à Allianz Arena pour un match contre Francfort. Allons-y. Cette fois-ci, je vais jouer milieu offensif. Et là, directement, ça demande la balle là-bas. J'aurais dû peut-être m'asseoir sur ce match. Je sais pas si que j'allais me fatiguer autant. Il faudra aussi que je vais aussi apprendre à m'économiser. Donc aujourd'hui, je suis même pas sur mon meilleur jour. Là, et le tir, et enfin. Merci Muller. Il marque un superbe but. Parfait. Ils se sont bien projetés à la récupération du ballon et ils sont allés au bout. Muller qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Muller. Et le match est terminé. C'était un match vraiment difficile parce que j'étais marqué. Donc chaque fois que je touchais le ballon, on essayait de me l'arracher. Et j'ai une note de 6. Je crois que peut-être avant-centre, c'était pas si mal que ça. Peut-être je vais y retourner. Donc, il y a le match contre le Ghana, mais je vais passer ça. Ce sont des matchs amicaux, je crois. Allez, on va jouer contre Hoffenheim. Et là, je suis en forme. Là, je suis en forme. Donc, je vais tout donner sur ce match. Allez, c'est parti, Hoffenheim contre Bayern. Je crois que c'est le dernier match de la vidéo. Je fais 4 matchs, je fais pas plus parce que sinon ça sera trop long. Je sais qu'il y a des gens qui aiment voir des trop longues vidéos, mais je n'aime pas trop. Bon, parfois je ferai ça, mais spécialement. Donc, il y aura des matchs qui s'enchaînent, qui sont très importants, là je le ferai. Mais là, c'est pas vraiment des matchs importants. Attention, il faut pas que je fasse une gaffe. Attention là. Ah, je vais essayer de marquer. Ouh, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai voulu tromper. Ça me rappelle PES 2013. J'avais l'habitude de marquer de cet endroit. C'était tellement facile de marquer. Mais c'est pas. C'est pas PES 2013. On est sur Football Life 2023. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Il avait déjà... Et le but, quel but. Et oui, les coups francs, on ne se rate pas. Le roi Sané qui marque un superbe coup franc aussi. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Allez, 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 allez. Il a son premier but de la saison. Et ça fait donc 1-0. Pour l'instant, je touche pas trop les ballons. Non, j'ai touché beaucoup, mais j'en fais rien de spécial en tout cas. Peut-être qu'avant-centre, c'était pas si mal que ça.
prochain match, je jouerai avant-centre, full avant-centre. Je trouve que milieu offensif, on me marque très rapidement. Et puis, avant-centre, quand on te marque, c'est juste un joueur qui te marque. Pas plus. Et milieu offensif, tous les joueurs qui marquent, même ceux du milieu, ils viennent t'arracher le ballon. La passe dans la profondeur. Il y a un centre. Ouh là là, c'était un très joli centre de ma part encore. Bien fait, mais il manque le ça fait. Franchement, on est en train de galérer dans l'équipe. Je sais pas. On n'arrive pas à marquer. J'ai failli marquer un but de la tête là. Il peut faire ça toute la journée. Sans le coup franc, je vous assure, on aurait fait un match nul. Une poignée de seconde seulement, la victoire attend les bras. Et vas-y, Müller. Et le match est terminé. Et on va terminer la vidéo par ici, les guys. On va terminer la vidéo par ici, les guys. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes déjà abonné, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Merci et à bientôt, les guys.